il en fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je procède, à des virements des... Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez superbement bien. Moi en tout cas, je vais bien. En tout cas, très bon début de week-end à tous mes abonnés, les vrais, qui ne cessent de partager mes vidéos, qui ne cessent de s'abonner et qui ne cessent de donner surtout leur avis aussi en commentaire. Vraiment, merci, merci infiniment. Vous avez vu quelques vidéos qui nous donnent beaucoup de nostalgie. Mais en même temps, quand je regarde ces vidéos, quand je regarde les différents posts de l'artiste de Bordeaux Likoufa depuis le 7 septembre 2019, j'ai envie de m'éclater de rire. Vous savez pourquoi? Vous avez bien vu le titre de la vidéo, non? Voilà ce que je titre dans cette vidéo. De Bordeaux Likoufa, depuis l'exigence, sort enfin de son silence. Bref, je vais développer cela tout à l'heure. Mais cependant, j'ai envie de réagir rapidement sur ce que j'ai vu. Voilà. J'ai cherché l'occasion pour en parler, mais bon, comme j'avais pas trop la tête à faire des vidéos ces jours-ci, je me suis tué. Vous savez, Won Maël, l'un des fils de notre regretté Feudji Jarafat, est victime d'usurpation d'identité. Voilà ce que je veux dire en fait. Mais moi, ce que je me demande, la question que je me pose, ces personnes qui ont tendance à créer des comptes fake au nom de certaines personnalités publiques ou de certaines personnes lambda, c'est quoi le bénéfice en fait? Vous ne contactez pas ces personnes-là pour dire que, ah, bon, comme tu es une personnalité publique, mais comme tu es une personnalité qui pourrait avoir beaucoup d'influence, j'aimerais créer des réseaux sociaux pour les animer, pour te faire une audience. On ne sait jamais, ça pourra t'aider un jour dans l'avenir. Vous ne le faites pas, ça vous vous levez gaillardement et vous créez des comptes au nom de qui que ce soit. C'est pas intéressant, les amis. C'est pas catholique. Surtout pour un bébé comme Maël qui est en train de vivre son deuil, il n'a même pas encore fini de digérer ça. Vous créez des comptes fake sous son identité. Et ça, vraiment, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est vraiment, vraiment inacceptable. Juste pour vous prévenir, de signaler massivement, sans pitié, je dis bien sans pitié, une page Facebook au nom de Won Maël. Et je sais que cette page Facebook a fait beaucoup de victimes déjà, c'est pas grave. Mais vous, qui vous faites appeler chinois, vous qui vous faites appeler vrai fan du coupé dégalé, allez rapidement sur Facebook, tapez Won Maël et signalez sans vous gêner cette page-là. Parce que cette page-là utilise le nom du fils de DJ Arafat pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Ce n'est pas mauvais de créer des pages Facebook au nom de qui que ce soit. Mais il faut toujours demander l'avis de ces personnes-là avant de se lancer dans ce genre de choses-là. Et ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, avant même qu'on parle de la sortie de silence des Bordeaux Likoufa, il faut que je signifie cela. Allez signaler cette page-là. Parce que je pense que le fils de Arafat ne mérite pas ça. Il continue de pleurer son papa. Quelqu'un, un inconnu, un individu mal intentionné ne va pas se permettre de prendre son nom pour peut-être arnaquer beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas intéressant. Donc, en tant que vrai chinois et vrai fan du coupé décalé, moi-même quand j'ai fini de faire la vidéo, ici en tasse sa page. Ce n'est pas intéressant. Arrêtez ça. Vous qui faites ça, là, arrêtez ça. Voilà, nous on a commencé un peu. Aujourd'hui, vous voyez, ça s'approche des 100 000 abonnés. Vous voyez, c'est parce que c'est facile. Il faut apporter quelque chose pour plaire aux gens, pour qu'ils puissent s'abonner à ta page. Je n'es pas obligé de prendre le nom de quelqu'un d'autre pour te faire un nom, mais pour venir annaquer les gens sur les réseaux sociaux. Mais ça cause des likes que tu es. Bon, bref, ça m'énerve même. Bref, on parle maintenant de l'artiste de Bordeaux Likoufa. En tout cas, comme je disais, que quand je vois les posts de l'artiste de Bordeaux Likoufa, excusez-moi, je suis juste en train de rechercher ces posts. Quand je vois les posts de Bordeaux Likoufa, j'ai envie de rire en fait. J'ai envie de rire, vous savez quoi, j'ai envie de rire. Parce que un gars que tout le monde a dit qu'il était en train de déprimer, il était aux urgences, il est malade, il a la pisane, peut-être même qu'il est mort, a commencé à se signaler depuis la date du 7 septembre 2019. Maintenant, les sorciers là, qui racontaient des rumeurs sur lui là, qu'est-ce que vous dites ça? C'est un robot qui est en train de faire ces postes là? Soyez un peu sérieux. Bref, il n'y a pas m'attarder sur vous parce que vous n'en valez pas la peine. Franchement, vous n'en valez vraiment, vraiment pas la peine. Avant de débattre sur, comme j'ai dit là, cette fin de silence que de Bordeaux Likoufa a commencé à aborder là, je vais lire ces différents posts qui m'ont vraiment touché parce qu'il y a beaucoup encore qui n'ont pas encore vu. Voilà, vous savez que de Bordeaux Likoufa a beaucoup de fans. Souvent même, il y a des posts que je relais ici. Il y a beaucoup de fans qui ne savent pas, il y a beaucoup d'abonnés qui ne savent pas que de Bordeaux Likoufa a fait ce post. Et jusque-là, ils pensent que de Bordeaux Likoufa ne s'est pas encore signalé. Il a commencé à se signaler. Bien vrai qu'il a pas encore fait des vidéos pour se montrer, mais il a commencé à faire des posts pour dire qu'il vit encore son deuil. Vous comprenez un peu? Donc c'est très important de vous faire lire, de vous faire écouter ces différents posts. Le premier post qui date du 7 septembre 2019. Et puis je vous excuse aussi hein, parce qu'il y a beaucoup qui sont abonnés à des pages Facebook fake, des pages Instagram fake. C'est pourquoi la page officielle de l'artiste de Bordeaux Likoufa, c'est de Bordeaux Likoufa tout court.
des Bordeaux Likoufa tout court. Et puis je vais vous montrer, je vais vous donner les indices pour vous montrer la vraie page de la tisse. La photo de profil, c'est lui et Didier Arafat en bras de fer dans le salon de Didier Arafat. Et la photo de couverture, c'est, on va dire, une des photos de son dernier morceau spécialité ivoirienne où il y a du piment, du poisson sec et puis de la viande de brousse à côté. Voilà, donc je commence par vous lire son premier post qui date du 7 septembre 2019. Veuillez écouter s'il vous plaît. Ok, voilà ce que Debordeaux nous dit. J'ai connu un frère, j'ai connu un pote, j'ai connu un adversaire haut de gamme. J'ai connu un talent, j'ai connu un battant, j'ai connu un irremplaçable et unique. J'ai connu un Arafat, j'ai connu un Ange Didier, j'ai connu un encaisseur de beaucoup de coups. Si je continue de couler les larmes, c'est juste parce que je viens de me rendre compte que cet immense combat que tu menais et de ce lourd fardeau qui brûlait sur toi. Voilà, c'est-à-dire qu'il vient de se rendre compte que Didier Arafat avait un immense fardeau et un gros combat qu'il menait. Je continue la lecture. Et ce fardeau pèsera sur tout le monde. T'as vu? Vous voyez un peu l'humilité de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Il ne sort pas l'absence de Didier Arafat. Il ne dit pas que je vais désormais porter ton fardeau parce qu'il savait que Didier Arafat faisait beaucoup dans ce coupé décalé-là. Donc il dit que le fardeau Didier Arafat sera sur le dos de tout le monde. Quand il parle de tout le monde, c'est-à-dire tous ses collègues artistes, y compris lui de Bordeaux. Et je continue encore la lecture. Je vais finir de continuer la lecture, je vais commenter en fait. Il dit « Pardonne-moi, bras. » C'est toujours le premier poste du 7 septembre 2019. « Pardonne-moi, bras. Encore désolé. Un soldat est tombé, mais pas à l'armée. Doublons d'efforts pour mener et gagner ce combat. J'appelle tout faiseur de coupé décalé. Mettons-nous au travail, car c'est maintenant le travail. La vraie bataille commence. Soyons responsables et conscients de cette hyper lourde tâche qui s'ouvre à nous. J'ai connu un frère. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Seul Dieu me gère. » Ça, c'est le premier post de Bordeaux Likoufa depuis le 7 septembre 2019. Je vous lis rapidement le deuxième post de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Il y a seulement une heure qu'il a posté cela. Voilà ce qu'il dit. Je demande à Dieu de me donner la force afin d'accepter ton départ. Jusqu'à quand va durer ce choc émotionnel. Nos égaux nous ont tous trahis aujourd'hui, je subis. Certaines personnes me demandent où est le son hommage de ton frère, sans penser au préjudice que ton départ a causé moralement, mentalement, autrement dit, psychologique. Tu as l'appétit, mais tu maigris de jour en jour. Dieu le Père, aide-moi. Je prierai toujours pour toi afin que Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, te pardonne tous tes péchés et t'accorde une place auprès de lui. Car nous avons tous été conçus dans le péché, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. J'ai aimé ton sourire rassurant hier dans mon rêve, malgré la tristesse que se cachait derrière. Tu me manques, bras, je subis. Nota bene, les temps sont bizarres, vraiment bizarres. Un nuage d'ondes négatives plane au-dessus de notre patrie. De grâce, prenez Dieu le Père Tout-Puissant comme couverture de vos puissants, comme couverture de vos vies. Seule la prière en abondance nous épargnera de certaines situations. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, seul Dieu me gère. Voilà, c'est un peu ça, le poste de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Pour vous dire que de Bordeaux Likoufa va très bien, mais comme je vous disais dans plusieurs vidéos, que le mec, il ne digère pas la disparition de son frère parce que ça lui fait vraiment, vraiment mal. Voilà ce qu'il dit dans son poste qui m'a vraiment touché. Il dit que beaucoup de personnes lui demandent où est le son hommage de son frère. Comme si c'était facile, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en rend compte du préjudice moral, psychologique, c'est-à-dire tout le mal qu'il peut subir actuellement depuis que Didier Arafat n'est plus. Vous comprenez un peu? Des fois, le coup va bien. Mais il n'est pas aux urgences, il n'est pas malade, il n'est pas mort, il va très bien. C'est juste qu'il cherche la force, il prie Dieu de lui donner la force de revenir sur scène parce qu'il sait que le boulot que Didier Arafat a laissé là est trop colossal. Lui seul, il ne peut pas gérer. Donc, il met ça sur le dos de tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, souvent, ayez un peu de cœur et arrêtez de raconter ce qui n'est pas. Arrêtez de propager ces fausses rumeurs, ces ragots là. C'est pas intéressant. Parce qu'il dit la vérité. Une onde négative plane sur notre coupé décalé, surtout même sur notre pays. Donc, la meilleure manière de vivre une vie heureuse, de vivre à l'abri, c'est de se mettre sur le couvert du bon Dieu. Voilà. En tout cas, Dieu merci. L'artiste s'est signalé par ces deux postes là. C'est déjà quelque chose.
ça nous rassure, on sait qu'il va bien. Juste dit aussi aux moyens, aux légionnaires, aux fans du Coupé décalé de ne pas s'inquiéter. Desbordeaux viendra bientôt. Voilà, il est très de se ressourcer. Il est en train de chercher beaucoup de force pour revenir au plus mieux de sa forme. Voilà. Donc j'espère que je me suis fait entendre, j'espère que je me suis fait comprendre. C'est le Coupé décalé qui gagne, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Desbordeaux, Likoufa va bien. Et il n'est pas aux urgences. Il va superbement bien. Arrêtez de partager et de liker ces pages qui vous donnent de fausses informations. Si vous voyez une page fake, signalez-la sans vous gêner. Que Dieu vous bénisse, c'était Hériton. Ciao, ciao. Et puis désolé pour la lecture, hein. Je ne suis pas très fort en lecture. On est ensemble.